Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour les tirages de la semaine du 13 mars. On va regarder ce qui se passe pour cette semaine du 13 mars. Donc, après ce week-end du 11-12 mars, où je me suis trompée, hein, ne m'en voulez pas. J'avais fait la semaine je crois, du 6 au 12. Je me suis dit, ah ben, le week-end, c'est le 13-14. Donc, en fait, dans le titre, j'ai corrigé. C'était le week-end du 11 mars. Donc, la semaine, on va commencer pour la semaine du 13 mars. Pour chaque signe astro, donc je vais tirer au sort. Déjà, bienvenue à vous. On va regarder pour tous les signes. Comme chaque fois, je vais faire 6 signes aujourd'hui et 6 signes demain. J'espère que ça va servir à quelque chose parce que visiblement que je fasse une vidéo ou que j'en fasse 12, eh bien, chaque jour, ça baisse. Chaque jour, mes revenus baissent, mes abonnés baissent. On me bloque, on me bloque, on me bloque. Donc, dans un moment, ça ne marchera plus. Il faudra que je trouve une solution. J'ai une idée, alors je vous en parlerai. Voilà. Merci à tous les nouveaux qui êtes là, qui apprécient la vidéo, de vous abonner. Merci aussi à tous les anciens de vérifier que vous êtes abonné ou vous abonner, si ce n'est pas le cas, pour soutenir, visionner, liker, partager. C'est important. Parce que moi, j'en vis. Et puis là, ben, cette femme a tout fait pour que ma chaîne se détruise. YouTube, visiblement, est de son côté, ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais. Elle a menti à tout le monde, donc tout le monde l'a cru, alors qu'elle se pose victime, mais c'est moi la victime. Elle a dit, je vais l'anéantir. Donc voilà, elle a réussi et c'est absolument ignoble de sa part. Je suis dégoûtée. Mais bon, voilà, vous savez tout. Il y en a qui m'ont dit, bah, merci de nous expliquer parce qu'on ne savait pas. Et voilà, pour que vous sachiez, donc les lions, elle est lionne, c'est une lionne, c'est une lionne qui est venue me dire, je vais t'anéantir, tu es une. Fausse, elle est venue gratuitement, donc c'est elle l'initiatrice de ce conflit et non moi, que tout le monde le sache. Merci. Je reçois aussi des mails d'insultes et tout ça, je trouve ça inadmissible. J'ai porté plainte, j'attends la décision, ça fait 2 ans, ça fait trop long. En attendant, ça a pu casser ma chaîne complètement et ça s'est bien passé comme ça. Bon, on y va pour les lions. On va faire une coupe de l'oracle des Médéors, une coupe du petit Lenormand et un tirage avec le tarot, un taroscope égyptien. Les lions, semaine du 13 mars 2023. Pardonnez-moi d'en parler, mais c'est quelque chose que je vis, c'est quelque chose qui est inadmissible. Et c'est comme ça. Donc maintenant, vous le savez, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Lion. Semaine du 13 mars 2023, qu'est-ce qui se passe pour les lions? Semaine du 23, qu'est-ce que je dis? C'est le 13 mars 2023, 13 mars 2023 pour les lions, 13 mars 2023 pour les lions, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Alors, il y a effectivement de la rancœur, vous en voulez à quelqu'un ou quelqu'un vous en veut. C'est bien de ce que je parlais. Vous avez en vous de la colère envers quelqu'un qui peut être actuel ou qui peut être du passé, que vous n'arrivez pas à guérir. Il y a quelque chose qui vous a fait mal. J'ai l'impression que c'est dans la famille, dans le passé, votre maman, votre papa, dans le passé, vous avez une rancœur et qu'il suffit que quelque chose la rallume pour que vous soyez à nouveau dans une énergie de. Ouais, je ne vais pas dire tout le monde, tous les lions, mais juste dans l'histoire que je vous ai expliquée, c'est ça, que vous avez une personne qui déclenche quelque chose et c'est pas guéri, ça ressort, vos énergies de rancœur, d'agressivité, de méchanceté ressortent et on nous dit qu'il vous faut vous nettoyer, vous purifier cette énergie, c'est-à-dire la guérir. Sinon, ça reviendra à chaque fois. Elle n'est pas guérie, cette blessure en vous. Et ça ressort cette semaine, hein. Ça ressort. Ça ressort fortement, soit c'est parce que j'en parle, et ça révèle chez vous, les lions, par exemple chez cette femme, cette colère. Donc elle doit vraiment se faire soigner, c'est ce que j'ai à dire. Oh, une jolie carte. Ben, qu'est-ce que je dis? Elle doit se faire soigner, j'ai l'énergie de guérison. Donc j'ai pas tort. Les lions, semaine du 13 mars 2023, qu'est-ce qui se passe pour les lions, semaine? De toute façon, j'ai pas de vue, elle a dit à tous les lions de ne pas regarder mes vidéos. Donc, pour les nouveaux, regardez. Les autres qui ne veulent pas regarder, ça s'appelle la méchanceté grave, de demander aux gens de ne pas regarder mes vidéos. Ça s'appelle de la méchanceté, elle n'est pas une bonne personne pour ceux qui la suivent. Je
m'en fous après. Elle signale toutes mes vidéos à tous ces gens. Elle demande de signaler, signaler, signaler. Alors que j'ai rien fait de faux. Je fais rien de mal. Je parle de ma situation. C'est tout. Donc voilà. Mais c'est dégueulasse. Pardon. Lion, semaine du 13 mars. Alors, quelque chose qui est en rapport avec un lien. Là, on peut parler de relation d'amour. Vous avez envie d'aimer. Vous avez envie de créer. Alors, vous êtes peut-être dans cet état d'esprit et vous avez envie de créer un lien beaucoup plus agréable, beaucoup plus harmonieux. Vous avez envie de créer des liens nouveaux. Ou ça peut parler que vous avez une personne que vous croisez, que vous connaissez. Ça, ça parle de lien depuis un moment envers lequel vous avez envie de déclarer vos sentiments. Mais je sens plutôt que vous avez envie de adoucir un lien qui vous a pris la tête. Qui peut être effectivement, oui, quelque chose de complexe avec quelqu'un. Et cette rancœur est en vous, elle vous ronge, elle vous rend malade. Elle me rend malade aussi, ça casse tout. Cette attitude qu'elle a eue, qu'elle a faite, toutes les personnes qui ont commenté et ont eu cette méchanceté envers moi, ils sont tous responsables parce qu'ils ne savent absolument pas ce qui s'est passé. On écoute des mensonges, de la manipulation, c'est quand même grave, quoi. Et comme on m'a insultée, c'est encore plus grave. Me dire que je suis une psychopathe, que je suis une malade, faut que je me fasse interner, non mais imaginez-vous. Qu'est-ce qu'on a? Le jugement. Il y aura un jugement. Moi, j'espère qu'il y aura un jugement, mais en tout cas pas en sa faveur. Pas pour être méchante, mais pour que ce soit la justice. Les lions, semaine du 13 mars 2023. Lions, semaine du 13 mars 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a besoin d'un nettoyage, d'une purification, d'une guérison. C'est clair et net, hein. Je commençais sur ça, sur ce tirage, et bien ça ressort. Je ne vous raconte pas des bobards. Je ne suis pas du style, moi. Pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qu'on a en pour? On a le battleur. On voit que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous allez mettre en place une situation. Il y a quelque chose de neuf qui se... Le battleur, il est vert, parce qu'il est différent des autres personnages ici dans le tarot égyptien. Je mets le ventilateur parce qu'il fait une chaleur ici de pas possible. Je sais que je peux... je dois peut-être pas vous le dire, mais il fait 30 degrés, donc... c'est un peu hallucinant, l'Espagne, ils annonçaient jusqu'au 32 degrés. Bref, vous êtes dans une énergie où on vous incite à commencer quelque chose, où vous allez commencer un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail. Vous êtes prêt à commencer en tout cas. Vous êtes en train de préparer les choses pour commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, on voit que vous avez un manque de confiance en vous. Il y a le pape en contre qui nous dit... Vous avez un peu peur, vous n'êtes pas sûr que ça va marcher, j'ai pas confiance, j'ai pas la foi totale. Là, les lions, vous n'avez pas totalement foi en votre, ouais, en votre réussite hein, par rapport à ce nouveau projet. Pourtant, il y a le soleil. Ah, c'est votre soleil, c'est votre carte, quelque part votre carte. C'est par rapport à la carte où il y a le rayonnement qui est là. Un signe solaire, vous êtes un signe, oui. Comment on dit, signe de feu. Pourtant, il y a la réussite par rapport à ce projet. Donc, ça domine ici votre tirage. Il y a une réussite. Donc, n'ayez pas peur, mais on voit que vos énergies, par rapport à ce nouveau départ, vous avez un manque de foi en vous, un manque de confiance. Et en réponse, on a à nouveau le jugement. Donc, le jugement, au final, nous dit que ça, qu'il y a aussi la réussite. Là, on obtient un diplôme. Il y a une réussite. Donc, ne doutez pas. Je l'ai vu dans le tirage du week-end, je crois, et dans le tirage du mois de mars. N'hésitez pas à aller les voir, parce qu'ensuite, je vais commencer ceux d'avril. Il y a la réussite, le jugement, donc ok, ça marche pour vous dans ce sens-là, mais pour le côté personnel, je dirais, régler ces problèmes que vous avez avec autrui. Là, ça parle plus d'un projet, j'ai l'impression. Je vais voir la synthèse, donc 20,
19, 20 et 20, 40, 45, 9, l'ermite. On a quand même un sentiment de solitude ou que vous êtes un peu perdu, que vous vous cherchez. Vous cherchez. Hein, on a l'ermite. Le 9, je sais pas où il est. Ouais, qui se, vous cherchez. Vous êtes peut-être, vous sentez seul dans cette histoire, ou seul dans cette rancœur, ou seul dans cette problématique personnelle. Pourtant, là, il y a un démarrage de quelque chose. Ça peut être aussi ce changement en vous, hein, pour vous faire pardonner, ou pour reprendre un lien de manière positive, où vous avez envie d'apprécier la personne, parce que ça vous ronge toujours. On voit bien, hein, que vous devez guérir quelque chose. Ça serait une réussite de le faire. Si c'est ça le renouveau chez vous, pour cette semaine, c'est possible. Ça parle quand même de lien. Donc ça peut être aussi un démarrage, un commencement pour un changement personnel, un changement intérieur, pour un nouveau départ, pour prendre un nouveau départ avec un lien ou une personne ou quelqu'un de sa famille et pour quitter cette énergie pas très saine à l'intérieur de soi. Voilà les lions. Ce que je vois pour cette semaine du 13 mars 2023. Merci pour vos commentaires et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.